Oh le bordel. Où est-ce qu'elle va? Là? Oh là. C'est fou les chemins qu'elle prend. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Complètement fou. Encore pas les sauver. Pas les sauvegarder. Sérieux. Oh mon dieu. Ah. Alors maintenant. Ça va être la dernière partie. Alors, il y a des trucs qui descendent. Ok. Ok, on peut s'accrocher au-dessus. Il y a des rebords. On va par là, toi. Ah. Orakan, un face-à-face dans un temple bâti en ton honneur. Pas directement sauter là. Blague. Attention. Dépêche. Jonah, j'ai réussi l'épreuve du vent. Je dois plus être très loin de la cité perdue. Crise cardiaque. C'est bien un cas, oui, mais ça a l'air plus récent que la pierre en dessous. Ce serait un ajout ? Eh ben. Encore. C'est pas gracieux ça là. J'ai eu une absence. Ah.
Eh ben. Que se passe-t-il ici? Jonah, la vue est fantastique ici. La cité perdue doit être tout près. Lara, j'ai réussi. Je te rejoins bientôt. Jonah? Merde. On est déjà, je crois, à 40% du jeu. Plus ou moins. Le jeu est pas extrêmement long non plus. Je pense. On a qu'un point, ça sert à rien. Ça va. Ah, le plus dangereux, c'est les longues sessions de plateforme en fait. Quelle idée à la con, Lara! C'est toi qui te gueule comme ça? Ou c'est le corbeau? Faut que je fasse plus attention. Ah, bien joué. Je peux pas rester là! Ah mais... connasse! Je sais pas pourquoi elle a pas voulu. Je peux pas rester là. Ça va s'écrouler. Il n'y avait vraiment pas besoin du ralenti. Hein. Oh, c'était chaud. Il n'y avait vraiment pas besoin du ralenti. De l'ange, mais tu vas me lâcher avec ça? Poisson. Je sais faire le saut de l'ange, c'est bon. Mon immersion. Okay, alors. Ça va, grenouille? Ah. Et j'ai pris la grenouille. Sans les singes tueurs. Cité perdue. Jonah, je crois que je l'ai trouvé, la cité perdue. Je pars à la recherche du serpent avec un œil d'argent. Mais ils ont pas un peu pompé sur le film Congo? Cité perdue, singe tueur. Voilà la grenouille. Enfin, moi je trouve ça cool, ça fait jeu d'horreur. Par contre, on va sortir ça, juste au cas où. Parce que j'ai vu de quoi ils étaient capables en fait, les singes. C'est quoi ça? Un cheval? Aller dans la maison. À plus, c'est Clodos.
Ça va ? Je peux vous aider. Va-t'en ! T'as rien à faire là ! Écoute, je sais que ça fait mal, mais... Maupoutoul ! Qui es-tu ? Pocahontas. Qu'est-ce que tu fais là ? Je fais des recherches. Le ménage. Lara Croft. Ils vont revenir. Nous devons nous cacher. Emmenez-la. Ah. Sympathique. Sympathique ces gens. Tu n'es pas seulement mon fils, tu es mon héritier. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Sans ton imprudence, cette femme serait-elle ici ? Mais tu es sain et sauf. Si tu n'es pas du culte, comment nous as-tu trouvés ? J'ai trouvé une carte dans un temple. Je m'attendais à des ruines, pas à des gens, ni rien de tout ça. Le culte, pourquoi s'en prendre à votre fils ? Je reconnais cet emblème, c'est celui des Trinitaires. J'essaie de les arrêter. Tu sais ce qu'ils cherchent à faire ? Ils veulent trouver un artefact. C'est une sorte de boîte liée à la déesse de la Lune. Qu'est-ce que tu vas faire ? La voler ? La vendre ? Non. Je dois empêcher les Trinitaires, le culte, de s'en emparer. Ils sont trop dangereux. Pourquoi ? Pourquoi tu les détestes ? Ils ont tué mon père. Est-ce que je peux vous montrer ceci ? Vous savez ce que c'est ? C'est Paititi. Et tu y es. Paititi, la cité perdue. Et cet œil alors ? C'est un lieu de mort et de sacrifice. Tu penses que ton artefact est là ? Oui. Personne n'en est jamais revenu. Je veux bien essayer. Tu prendrais ce risque pour arrêter le culte ? Oui. Amenez-le. Jonah. Jonah. Tu connais cet homme ? C'est mon ami. Et Abby ? Ça va. Qui d'autre te cherche ? Personne d'autre. Je crois que nous cherchons la même chose. Nous t'amènerons au serpent à l'œil d'argent, mais ton ami reste ici. Tu n'iras pas bien loin si tu nous mens. Et lui, il regrettera. C'est vraiment pas nécessaire. Ça va aller. Je t'attends. Etsli. Donne des habits à cette femme. Ushu, tiens-lui compagnie.
Je fais aussi vite que possible. Ok. On va avoir des nouveaux habits, apparemment. C'est très beau ici. Silence. Ah, oh, nouvelle tenue. Et un bracelet aussi. C'est juste incroyable. Pai Titi. Bienvenue. Ouais. Disons juste que je connais pas votre nom. Pardonne-moi. En tant que chef des rebelles, je me dois d'être prudente. Je suis la reine légitime, Unuratu. Nombre d'oreilles porte du bleu en Etli, signe de support. J'attends toujours ton rapport. Oui, mère. J'ai vu quelque chose ce matin. Oui. J'ai vu Akane qui discutait avec son voisin. Il avait l'air en colère. En me voyant approcher, ils ont arrêté de parler. Et puis ils se sont mis à rire comme s'ils plaisantaient. Ils préparent quelque chose. Bon travail. Merci, mère. Hey. Salut. On la suit, mais elle nous parle quasiment pas. Pourquoi ? Comme tu peux le voir, rien n'est secret très longtemps à Pai Titi. S'il te venait à l'idée de dévier du plan... Vous le sauriez tout de suite. Je comprends. Elle est ici pour m'aider à retrouver quelque chose que j'ai perdu. Ne t'inquiète pas pour ça. Est-ce que mon père était aussi éclaireur à mon âge? Il était chasseur. Est-ce qu'il était féroce? Pas l'occasion. Mais il était surtout très bon. Merde, je crois qu'il y avait autre chose. Vous nous faites honneur. Attends. Pas autre chose à me dire? Wally, tu es là. Qui êtes-vous? Mais je l'ai vu. Il les a. Ça suffit, Taki. Tu as perdu tes dés, soit. Mais ne viens pas mentir. Ah, c'est là, je crois. Le culte a doublé. Je sais que personne ne voit. À cause des... Est-ce que tu vas bien? Non. Puisque le mort a pris mes dés. Mais personne veut me croire. Pourtant, c'est vrai. C'est un mort qui a pris tes dés? Tu les as pas perdus? Oh, vous valez pas mieux que les autres. C'est vrai, tu as raison. Tu sais quoi? Je vais faire très attention, et si jamais je croise Pisco le mort, je lui demanderai tes dés. Vraiment? Vous me croyez? Ce serait pas la première fois que les morts s'adressent à moi. Trouver Pisco le mort, est-ce qu'on a un point sur la carte? Ah ouais. Faut retourner à la ville. Oh putain. C'est loin. Splendide. Ah. Vous troquez? Je vous en prie. J'ai gagné à peine assez pour offrir un tribut. Un tribut à qui? Le culte de Kukulkan, bien sûr. Il réclame la moitié de tout ce qu'on peut gagner les jours de marché. Mais s'il croit que j'essaie de les rouler... Oui, je comprends. Merci, jeune fille. Alors, vous troquez? Troquez! Arc en bois de serpent. Flèche incendiaire. Manteau scissu ancestral. Mutue de cantu ancestral. Carquois de chasseur, c'est ça qu'il nous faut. Que les dieux vous sourient et vous protègent. Il faut un meilleur carquois. Oh, mais il y a plus de marchands. Votre tête ne me dit rien. D'où vous sortez? Où vous avez trouvé cette tunique? On me l'a donnée, la reine Unuratu. Oh, vous êtes avec la reine? Je ne voulais pas. Je vous en prie, il faut me pardonner. Tout va bien, vous en faites pas. Que puis-je faire pour vous? Oui, Claudas. A plus, Lenzo.
Bonne soirée. Amélioration du couteau. Sacoche. De plus, une nouvelle capacité améliore la lame de base pour couper les cordes tressées. La lame déjà améliorée permettra de ramasser plus de ressources. Peau de loup noir. Ah, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut acheter au final. Quasiment tout. Ah, mais on peut vendre. J'ai même pas fait gaffe. C'était le jade. Vendez-le. Vendre. Les dieux nous sourient à tous les deux. Minerai d'or, vendez-le. C'est pour vous. Avant, on s'en servait. Maintenant, on les vend. Dans l'ancien jeu. On va prendre le couteau. Parfait. Merci, mademoiselle. Et on va prendre le carquois. Bonne journée. Regardez ce que j'ai. Les dieux nous sourient. J'ai toujours du temps pour les affaires. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Haken ! Qu'est-ce qui se passe ? Des fous. Ils guettent l'apparition de leur dieu. En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon, le monde mourra. Sacrifier un dieu ? Le sacrifice est mon devoir. Mais le chef du culte veut prendre ma place pour devenir ce dieu. Il croit pouvoir refaire le monde pour nous faire vivre dans son propre paradis. Refaire le monde ? Ça me rappelle quelque chose. Le voilà! Mets-lui une flèche. Hein. Ah, mais c'est pas... Je le connais. C'est le docteur Dominguez. Regardez! L'instrument de notre unité et de notre salut. Bientôt! Nos rêves de sécurité et de paix seront exaucés. Il l'appelle déjà Kukulkan. Mais son vrai nom est Amaru. Il est né ici. Mais... il a grandi... auprès d'étrangers. Les gens lui font confiance. Mais pas vous. Mon mari, Sairi, était son frère. Ils n'étaient pas d'accord sur l'avenir de Paititi. Mais Sairi est mort, et Amaru s'est dévoué au culte. Vous avez vu la tempête. Et vous craignez ce qui pourrait suivre. Je vous promets que Paititi va bien survivre. Et elle sera prospère. Je le connais bien. Si Amaru réussit, ceux qui contestent son pouvoir ne verront jamais ce paradis. Les rebelles seront écartés. Sauf s'ils ne trouvent pas la boîte. Oui. Nous devons la trouver avant lui. Peut-être qu'Amaru pourra encore trouver l'amour. Et la raison. Mort aux envahisseurs ! Le châtiment viendra ! Akan, assez ! Nous devons frapper tant que le serpent est à portée. Nous obtiendrons bientôt justice. Je t'interdis de mettre en péril notre rébellion. Etzli, pars devant. On se retrouve au bord de la montagne. C'est la dernière fois. Va-t'en. Eh ben. Suetzli, ta tenue ne trompera pas longtemps ses gardes. Promis, je trouverai la boîte.
devais garantir la paix. Je faisais juste une balade avec mon fils. Amaru commence à s'impatienter. Ça n'arrivera plus. Je voudrais bien feu de camp pour voir l'équipement et tout ça. Jonah, tu me reçois ? Ouais, on a installé un camp avec Ushu. Tout va bien. Dominguez est ici. Il est à la tête du culte de Kukulkan. C'est contre eux que les rebelles d'Unuratu se battent. Hein ? Il est là depuis des années. Les Trinitaires contrôlent Paititi. Wow. Je vais rejoindre l'œil du serpent. On doit trouver la boîte avant le prochain cataclysme. Eh ben. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Ah, 35. Ah, la tenue est cool, hein. Ouais, je voudrais bien un feu pour... Ah, mais c'est pas la même ville. On aurait dit la même ville. Je voudrais bien un feu pour avoir les atouts et puis... histoire de sauvegarder aussi. Du coup, on n'a plus les bonus sur nous. Les habits bonus en léopard. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Vous êtes ici pour échapper à l'agitation de la ville ? Monolithe. Ah mais j'ai pas assez. J'ai du mal à comprendre ce dialecte. Les bannis comprennent l'esprit des dieux. Et la fuite. Fais pas attention à moi. Je sais pas trop. Je reconnais vaguement le dialecte, mais ça colle pas. Fais pas attention à moi. Toi, donne les dés. Excusez-moi. Vous me voyez ? Enfin, quelqu'un voit Pisco. Vous êtes morte aussi, jeune fille. Vous devez être Pisco le mort ? Ça va la drogue ? Je suis Pisco, serviteur des dieux. Moi, c'est Lara. Lara, joli prénom, Lara. Vous n'êtes pas morte ? Et vous non plus ? Et pourtant, si. Mon destin était d'être sacrifié. On m'a conduit sur la montagne, le rituel fut accompli, mais... Vous avez survécu. Mon corps, pas mon âme. Je suis mort pour ma famille et tous mes proches. Je vis des offrandes qu'on veut bien me laisser. J'ai croisé un garçon qui m'a dit que Pisco avait pris ses dés. T'as qui ? C'est le fils d'un noble très arrogant. Il a insisté pour qu'on joue, il a perdu. J'ai peu de possessions, mais j'ai gagné ses dés à la loyale. Je vous propose quelque chose. Ça vous tente de jouer un peu ? On peut peut-être faire un échange ? Parlez à 5 personnes s'étant fait bannir. Écoutez leur histoire, dites-moi pourquoi Taki a perdu, et je vous donnerai les dés. Oui, je peux faire ça. Bizarre. Salut Papa Knox, c'est vrai que ça fait un bail. Ça va sinon ? Je te lave à 4h, et bonne nuit Orion. Là, on avait un peu de conversation. Ça, c'est son copain à... Ah. Oh, mec. Un cadavre. Faut parler aux gens. Oh là là. Je crois que la dernière fois que tu étais passé, Papa Knox, c'était... Bonjour. Pour Nio, je crois. Bonjour, jeune fille. On voit rarement des étrangers en ville. Pisco m'envoie pour vous parler. Ah, Pisco. Je l'aime bien. Vous avez vu d'autres étrangers ? Juste un.
Il était séduisant, gentil et doux. Nous nous aimions. Mais notre amour est hors la loi, interdit par le culte de Kukulkan. C'est terrible. Je suis désolée. J'ai été condamnée à mort. Laissée pour morte sur la falaise. Au troisième jour, j'espérais la fin. C'est là qu'il m'a trouvée, l'étranger. Il m'a libérée et soignée. Qui était-ce ? Je connais pas son nom. Ça fait bien longtemps, mais j'espère encore le revoir un jour. Je retourne souvent sur la falaise, près des nids des condors. Et je prends leurs plumes. Elles me font penser à lui. C'est une histoire incroyable. Merci de me l'avoir confiée. Super. Merci de l'avoir écoutée, jeune fille. Ils sont tous drogués. Ah, c'était MGS. Pour l'instant, le jeu, bah, il est passable. Il est très très passable. Voilà. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. J'aurais voulu qu'il soit mieux.